j'aime bien. Bonsoir à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la Tour Saint-Nicolas et c'est la cérémonie d'ouverture des championnats de France 2024. Espoir, Catherine Léonidas, la voile, la Fédération française de voile est à l'honneur ce soir. Alors, vous êtes particulièrement impliquée déjà dans le sport, mais dans la voile aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, nous sommes ravis d'accueillir pour la deuxième année ce championnat de France Espoir. Vous avez vu le dynamisme et l'envie de tous ces jeunes. Ils ont entre 13 et 25 ans. Donc, ils sont, comme nous disait notre animateur, ils sont chauds bouillants pour les régates à venir. Donc, nous sommes ravis d'avoir été choisis pour les accueillir. Ils auront du vent, ils auront du courant, voilà. Et oui, la voile, eh bien, un élément important. Vous savez, à La Rochelle, on a deux sports dominants et deux sports qui brillent. C'est d'un côté la voile, avec Sarah qui était là, avec Charline qui n'était pas là, mais qui a une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et puis, on a évidemment le stade Rochelet. Mais la voile est importante, c'est la première pratique sur notre territoire, à la ville de La Rochelle. Ceux qui pratiquent l'activité physique, le sport en masse, c'est la voile. Avant le rugby, avant tous les autres. C'est bien de le dire, avant le rugby. Oui, bien sûr, en nombre de licenciés, oui, oui. Parce que la voile a cet avantage, on peut pratiquer, vous avez vu, les plus petits, là, on a des écoles de voile, l'école de jardin des mers et tout, on a 4-5 ans, jusqu'à des gens, Bertrand Chéré, qui régate depuis, voilà. Donc, on a une grande population, un grand éventail de population pour pratiquer cette activité. On va laisser la parole à Paul qui a été dans l'organisation. Bonsoir Paul, alors comment ça s'est organisé cette grande manifestation? Vous savez, une organisation, ça se prépare longtemps à l'avance. Ça fait un an que le club travaille sur cet événement. On l'a déjà organisé l'année dernière, donc pour nous c'était un peu plus facile. Mais ça reste une très très grosse organisation donc, qui se prépare depuis plus d'un an. Eh bien merci Paul. Merci à vous. Les jeunes, passez une très bonne soirée dans notre belle ville de La Rochelle. Et on vous dit à demain, dormez bien. Et j'espère vous retrouver en force. Viendrez vous voir, hein, si vous voyez passer avec un micro. Pas de chance, ce sera pour vous. Vous aurez le droit à une petite interview. On prendra un petit peu la température dans les paddocks demain matin avant de lâcher les chevaux sur les premières séries de ce championnat. Je suis cadet de gendarmerie à La Rochelle. On s'est déjà rencontré. Oui. Vous venez ou pas pour la cérémonie du 11 novembre? 11 novembre, je serai quelque part en tout cas, ça c'est sûr. Ah, d'accord. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Ouais, super. Bon, je crois que vous avez des journalistes. Oui. Je vais rappeler. Brice Blondel, on est ravis de vous voir sur cet événement. Vous avez fait un petit discours avec beaucoup d'humour. J'ai pris parti. Je suis sorti de ma réserve. Oui. Mais là, c'est la période où on peut sortir de sa réserve. Oui. Eh bien, c'est parfait quand vous voyez toute cette jeunesse. Ouais, c'est magnifique. Ils sont 500 à venir des quatre coins de la France. Et quand je dis les quatre coins, ça va de la Martinique jusqu'en Nouvelle-Calédonie en passant par tout l'Hexagone. Ils ont une énergie incroyable. Et c'est les talents de demain. Et les médailles qu'on célèbre aujourd'hui, c'est eux dans quelques années. Donc on est ravis de les avoir ici. Ça prouve aussi que La Rochelle est taillée pour accueillir des épreuves de ce niveau ou plus haut.
Ou plus haut, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu, il y a du vent. On n'a pas partout. Merci Brice Blondel et puis à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct.